La mère de DJ Arafat, Tina Glamour, est-elle invitée de l'émission « C'est midi » diffusée sur la télévision nationale Orti, du vendredi 25 octobre 2019. Tina Glamour refuse qu'on l'appelle Tata. Deux mois après la mort de son fils Ange Didier Houon, le tapis rouge a été déroulé pour Tina Glamour à l'émission « C'est midi » ce vendredi. Un gros risque, selon la belle et très talentueuse animatrice, Caroline Da Silva, quand on sait toute la polémique qu'il y a en ce moment autour de Lobo Valentine. Nous recevons une artiste qui a fait son temps mais qui a encore beaucoup à donner. C'est aussi une mère dévastée. Nous, les frasques, c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est l'homme, c'est la vie. Un artiste, c'est un patrimoine. Un artiste a besoin d'être soutenu. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons de tout notre cœur, a déclaré d'entrée Caroline Da Silva. Quant à la mère de DJ Arafat, très émue d'être l'invitée du jour de cette émission, elle a réitéré son attachement à l'artiste avant de revenir sur le style très érotique qui l'a propulsé au devant de la scène dans les années 90. À cette époque, je sortais d'un divorce. Mais je voulais montrer à mes sœurs ivoiriennes que ce n'est pas parce qu'on sort d'un divorce qu'on va se laisser aller. Je sortais d'un divorce d'avec feu ou Pierre, qui ne voulait pas que je chante. C'est moi qui ai décidé, après deux accouchements, le deuxième, c'était Ange Didier, de me donner un genre en mettant mes atouts en valeur. La femme ivoirienne est belle, a déclaré Lady Glamour. Tina Glamour refuse de même qu'on l'appelle Tata Tina. Moi, je ne suis pas dans les Tata. Moi, je suis jeune hein. J'ai 17 ans et demi, a-t-elle affirmé. Notons qu'à la fin de l'émission, Tina Glamour a gratifié le public d'une prestation au cours de laquelle elle s'est fait accompagner de deux danseurs dont Bébé Sans Os, l'ex-danseur de DJ Arafat, qui a récemment revendiqué le concept « Kong » de DJ Arafat créé avant son décès.